C'est dans le calme et la discipline que se déroulent les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du brevet d'études du premier cycle à session de juin 2019, lancé le mardi 8 juillet. L'atmosphère a été peinte par quelques chefs de centre. Les choses se passent très bien ici. Il y a la discipline, il y a de l'ordre, et vous le voyez très bien, les enfants sont assis. Hier, on a enregistré un cas de maladie, un enfant qui est asthmatique. Comme nous nous sommes préparés, on avait la ventoline. On a essayé de maîtriser cela. On est là à LVA2, ça se passe très bien depuis hier. C'est vrai que la première journée, il y a toujours un léger tâtonnement comme quand on commence, mais la machine a pris son allure normale par la suite. Et aujourd'hui, nous sommes revenus, c'est la deuxième journée, les épreuves se déroulent très bien. Les effectifs attendus, effectivement, dans tout le centre, nous sommes autour de 1300, avec une répartition bien faite et qui s'en suivra jusqu'à la journée de samedi. Les disciplines retenues sont la vitesse, le saut en longueur et la gymnastique. Dans les trois centres visités, environ 4000 candidats des écoles privées, libres et égarés, sont attendus jusqu'au samedi, le point du premier jour, avec les différents chefs de centre, à savoir lycée Victor Augagneur 1 et 2 et Poitiers-Bernard. Et hier, nous avions eu 308 attendus et les présents, nous étions à 294, on a eu 20 absents et on a notifié 4 inaptes. Aujourd'hui aussi, nous avons 308 attendus et les choses sont en train de se dérouler. Les statistiques ne sont pas encore faites et elles seront faites en fin de journée. Les candidats au niveau des inscrits au centre LVA1, on est à 1326. Hier, c'était 264, mais nous avons travaillé avec 221 et 43 étaient absents. Mais aujourd'hui, il y a certains qui sont venus. Déjà là, on a enregistré 4 qui sont venus, et retardataires d'hier. Donc, surtout que c'est des candidats libres, ils sont tellement aussi libres qu'ils viennent à volonté, ils ne sont pas dans un établissement donné, donc il n'y a pas trop de maîtrise. Parfois, il y a ceux qui viennent aujourd'hui, nous on a déjà enregistré ceux qui viennent. Au total, nous avons 1370 candidats attendus. Et pour la journée d'hier, on avait 254 candidats, mais on a pu recevoir 241 et enregistrer 13 absents. Mais sur les 13, il y a un qui est arrivé ce matin, qu'on a fait passer et le candidat même déjà reparti. L'appréciation d'un candidat. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Les jurys sont corrects. Il n'y a pas de corruption. Ces épreuves pratiques d'éducation physique et sportive se déroulent dans 23 centres dans le département de Pointe-Noire.